problème d'ingotico lo bossali l'introduction vraiment les gens baso bela mingiba AVC et toutes ces histoires. Alors moi je vais vous parler de mon expérience personnelle. Donc ndenge bozo monanga boye, je pesais 100 kilos. Oh, j'ai 100 kilos. Tikolo babo papa. Je pesais 100 kilos. J'avais l'hypertension, nazalaki na nazaki prédiabétique. Nazala qui n'a pas mot de tête impossible, donc partout, puis nazala qui fallait nazana paracétamol pour namela, ça n'allait pas. Yes. Nazala qui n'a pas rhumatisme, bah mon congo passe, il fallait tout le temps que on puisse me masser, donc vraiment la santé ça n'allait pas, bah pellicule et tout ça. Alors, nazala qui peine hypertension, comme j'ai dit, donc le docteur Aib Senga que non, je devrais prendre des médicaments pour le reste de ma vie. Alors, ce que j'ai découvert maintenant, c'est que auto ponani to belaka c'est beaucoup plus à partir de ce qu'on mange. Auto melaka, la façon dont nous pensons et tout ce que nous mettons sur notre corps et sur notre peau, ça joue très vraiment beaucoup. Alors la première chose d'abord que j'ai enlevé, donc comme vous me voyez, tous les produits animaux, moi je ne mange plus ça, donc nyama, soso, poisson alia raté, tous les produits laitiers je ne mange pas. Donc, bah, miliki, bah, fromage, tout ça, je ne mange pas. Et tout ce qui est produit raffiné. Donc, par exemple, bah, oezana, bah, boîte de conserve, bah, carton, toutes ces histoires, je ne mange pas. Wow. Et donc, de 100 kilos, j'ai perdu, maintenant j'ai 65 kilos. Donc, j'ai perdu 35 kilos sans faire des exercices physiques, sans opération, juste en changeant ma façon de manger. Et nazolia, c'est beaucoup plus des fruits et des légumes. Et tout ce qui vient de l'agriculture, c'est ce que moi je mange. Alors, en appliquant tout ça, toutes les maladies que j'avais ont complètement disparu. Donc, je n'ai plus d'hypertension, je n'ai plus d'AVC, je n'ai plus de prédiabétique, les maux de tête sont finis, les pellicules sont finies, les maux de dos sont... Donc, ma ramounion, ceci, j'ai adopté ce système, ça fait 3 ans. Et depuis 3 ans, il n'y a pas un seul jour où je suis tombé malade. Pas même des kosu, rhume, je n'ai plus rien. Tout a complètement disparu. 100 kilos. 100 kilos, maintenant j'en ai 65. Ah, papa Olivier, fauta kalesali bande komozo la nanga. Tout, je vais vous montrer tout, vous allez voir ça. Mamma mia. Mamma ya oui. Na mama. Bande kolangai, témoignage. Donc, ça, témoignage vivant. Témoignage vivant, alors que bah, docteur Baïb Sainga que non, j'aurai ces maladies jusqu'à ma mort. Je n'ai plus rien maintenant. Donc, papa, ça te que oh, Luka Kisimoko, kende na gymnastique, ça la soki boy, juste ka ko stopé biloko. Oui, na sobe ka biloko anana lobby. Et ça fait donc 4 ans, il n'y a pas un seul médicament que moi j'ai pris. Rien du tout. Pas de médicaments. Alors, pour vous expliquer pourquoi j'ai d'abord arrêté Banyama. Alors, quand vous regardez, vous allez voir d'abord que les animaux, ceux qui sont au total, ils en ont 2 groupes à Banyama. Ils en ont herbivores et ils en ont carnivores. Les carnivores, ce sont les Banyama et les herbivores, les Matiti. Alors, si on regarde bien, faisant une comparaison, vous allez voir que l'homme ressemble plus à un herbivore. Donc, ceux qui, par exemple, au Talina niveau à Minou, au Romo, on a que d'abord la façon Minou et Zali. Quand tu compares les herbivores et les carnivores, au Romo, on a que ça complètement différent. Donc, par exemple, bah, carnivore, bah, tafunara, au Baliarate, bah, katarara, alibameli. Mais ceux qui au Taliba herbivores, ils doivent mâcher leur nourriture. Et l'homme mâche sa nourriture comme les herbivores. Ceux qui au Tali, les sous-soupins, au niveau ya munokoka ka ceux qui par exemple le carnivore aligné mais la maille alimbola ramaille mais ba herbivore ba aspira ramaille et l'homme fait aussi la même chose comme les herbivores. Soro tali li susu oromona par exemple la longueur des intestins oromona que ba carnivore ba mitchopona bangweza vraiment mikuse tandis que ba herbivore eza milai. Et pour les hommes, les intestins sont aussi longs neti ba herbivore. Intestin na biso eza 9 mètres de long. Donc, ils appellent ça moulaï. Si vous talipez par carnivore, au moment où vous avez un carabana et un bélé dans le monde, au moment où vous avez un bois, vous avez 5-6 bananes. Et puis, ceux qui ont un bélé, la possibilité au moment où vous avez pendant 1 ou 2 semaines, vous avez aveugle. Tandis que si vous talipez par herbivore, vous avez un moins de moko. Neti par exemple, ngombe a robota mwana moko, elefant robota mwana moko, et bisope batou ezara mwana moko, rarement ba jumeau. Et soro talipe, soki banana biso ba botami, bazarana misu akofungwa, mais peut voir directement. Donc encore, vous allez voir que l'homme est comme un herbivore.